Bonjour à tous et bienvenue chez nous à la pépinière Leaderplan. Aujourd'hui, je vais planter un rosier. Nous avons à la pépinière Leaderplan sélectionné des rosiers rustiques, résistants à la maladie, ainsi que remontants, c'est-à-dire florissants toute la saison. Je creuse un trou de 40 cm de diamètre et 40 cm de profondeur. Voilà. Je mets la terre, hop, dans ma brouette. J'ai pris du terreau professionnel tout usage qui est disponible sur le site internet. Je vais mélanger un tiers de terreau avec deux tiers de bonne terre de jardin dans ma brouette. Si votre terre est pauvre, vous pouvez rajouter un petit peu de fertilisant secret vert au fumier et aux algues. Alors je prends un petit peu du mélange, un tiers terreau, deux tiers bonne terre, que je mets au fond du trou. Je prends un cône d'engrais retard qui permet de booster la pousse de la plante pendant la première année. Je rajoute un petit peu de terre au-dessus. J'enlève le pot. Si la motte est sèche, je plonge dans mon arrosoir la motte pendant 15 secondes. J'installe mon rosier sur le cône d'engrais, puis je mets du mélange tout autour. Et voilà. Je tasse tout autour du collet pour faire une petite cuvette pour l'arrosage. À la plantation, je mets un demi-arrosoir. Par la suite, il faut compter une à deux fois par semaine. Il ne faut pas, pour les rosiers, arroser le feuillage. Petit conseil, si vous voulez éviter le désherbage et limiter l'arrosage, vous pouvez mettre tout autour une couche de 5 cm d'écorce. Retrouvez toute notre gamme de rosiers sur notre site leaderplan.com ainsi que tous les accessoires. Avec Leaderplan, un jardin, c'est facile. Au revoir.